durer combien de temps? Une demi-heure, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir mon type et je reviens. Ok. Patricia! Patricia! Pourquoi avez-vous choisi candidat comme titre de votre roman? Persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé. Monsieur Barbulesco? Pouvez-vous demander dans le... Pensez-vous qu'on puisse encore croire à l'amour à notre époque? Bien sûr, on peut croire qu'à l'amour, à notre époque, justement. Que pensez-vous de la phrase de Rainer Maria Rilke selon laquelle la vie moderne nous séparera de plus en plus d'hommes et de femmes? Rilke était un grand poète, il avait donc certainement raison. Merci, poétique. Monsieur Barbulesco, dégage un peu. Monsieur Barbulesco, ça va. Toi, passe le journal. Allez. Monsieur Barbulesco, pensez-vous qu'il y ait de compétition au niveau différent entre les femmes françaises et les femmes américaines? Il n'y a aucun rapport entre la femme française et la femme américaine. La femme américaine domine l'homme, la femme française ne le domine pas encore. Monsieur Barbulesco. Quelle est votre grande ambition dans la vie? Lequel est le plus moral, d'une femme qui trahit ou d'un homme qui abandonne? La femme qui trahit. Vous croyez qu'il y a une différence entre l'érotisme et l'amour? Non, pas tellement, je ne pense pas. Je n'en crois rien. Parce que l'érotisme est une forme d'amour et que l'amour est une forme Monsieur d'érotisme. Monsieur Barbulesco, est-ce que vous croyez à l'existence de l'âme dans je le monde moderne? Je crois à la gentillesse. Yes. Yes. Est-ce que vous croyez que la femme a un rôle à jouer dans la société moderne? Oui, si elle est charmante, si elle a une robe avec des rayures et des lunettes frites. Monsieur Barbulesco, la phrase de Casanova selon laquelle il n'y a pas de femme qu'on ne puisse séduire à force de lui imposer de la reconnaissance. Je veux dire physiquement. Pardon s'il vous plaît, monsieur Barbulesco. Il n'y a pas moyen de travailler. Mademoiselle, pas dans le champ. Non, mais dans il y a champ. Deux choses importantes. Pour les hommes, les femmes. Monsieur Barbulesco, s'il vous plaît. Ah, vous voyez bien, vous êtes pessimiste. Dès qu'on voit une belle fille avec un type qui a du fric, on peut dire automatiquement qu'elle, c'est une fille bien, et lui, un salaud. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Devenir immortel, et puis mourir.